Les orifices sont nettoyés, les tiges sont installées, raccordées au cerveau à l'avant, raccordées au contrôle horn ou en bon français au guignol à l'arrière sur le gouvernail de profondeur. Du côté gauche, aucun problème, je vais assez directement. Du côté droit, c'est une autre histoire parce que j'ai le silencieux qui vient ici. Alors, il a fallu que je fasse une tige avec un raccord qui a été tout simplement plié un peu pour éviter de nuire au silencieux. Alors, ceci est fait. Et on passe à la prochaine étape. Les charnières de la porte de train avant sont collées. On voit que la porte s'ouvre librement, sans accrocher, sans problème. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de relier la roue avec le cerveau de direction pour permettre de contrôler le modèle quand il est au sol. En voulant retirer le bras du cerveau, j'ai appuyé un peu trop fort sur le tournevis, mais enfin, j'ai même pas eu besoin d'appuyer si fort que ça. Puis, j'ai entendu un craquement, et puis c'est tout le support du cerveau qui était pas vraiment soutenu en dessous ici, qui a craqué. Enfin, le joint de colle qui est ici s'est défait. Alors, première étape avant d'aller de l'avant avec le reste des travaux, c'est de. Coller ça, recoller le boîtier et puis de renforcer le tout. Le fil pour commander la roue avant, le fil que j'utilise donc entre le cerveau puis le train, c'est simplement du fil à pêche. C'est un fil très résistant et puis c'est un fil tressé et fusionné. Donc c'est extrêmement résistant. Par contre, c'est un fil qui est très dur à nouer. Il faut faire il y a un nœud, un type de nœud spécial qu'on doit utiliser pour ce fil-là, sinon ça tient pas. Ça s'appelle un nœud double palomar. Je ne sais pas si on a ça en Europe. Un double palomar. Donc, double palomar, je vous le montre. On a le nœud comme ça. On a le fil comme ça. On le plie en deux pour avoir deux bouts de longueur équivalente. Et à l'extrémité, comme ça, l'extrémité qui est pliée, on vient la rentrer dans notre bras de cerveau. Comme ceci. Ensuite, on fait une boucle. Une fois qu'on a fait un premier nœud simple dans l'extrémité qu'on a enfilé dans le trou, on passe le bras du cerveau complet et on tire comme ça. Et là, on a un nœud qui est très solide. Et qui glissera pas du tout sur la roulette. Ensuite, chacun des brins qui restent, on vient le passer dans un trou de chaque côté, le trou le plus éloigné, comme ça on peut avoir un peu plus d'amplitude sur notre roue. C'est drôle, quand j'ai commencé à faire ma série de vidéos YouTube, je voyais clair. Et là, ça fait 7 ans que c'est commencé. Et là, je vois. J'ai. Sans mes lunettes de lecture, je vois plus rien. J'ai vieilli.